tous, c'est Motisma. Aujourd'hui, je vais vous présenter des cartes que j'ai retrouvées chez mes parents. En fait, plutôt ma mère qui a retrouvé cette boîte. Donc, ce sera ce tas ici que je vais vous présenter. Ce qu'il y a derrière, en fait, avec le Lugia, l'Elector et la Fart Sultan Islands, c'est quelque chose que j'ai trouvé tout bêtement pour une bouchée de pain qui fera l'objet d'une prochaine vidéo parce qu'il y a quand même une farte assez chouette à vous montrer et toute la pile de cartes derrière le Lugia et le petit paquet ici avec des cartes aussi assez spéciales. Donc je vais commencer la présentation de la trouvaille chez mes parents. Donc la première carte, c'est un Tyranocif de la série Pop qui était normalement dans une Pokébox. Cette carte est juste magnifique, y a rien à dire, un vrai bijou. La suivante, c'est l'Hyperroi de la série Dragon Frontière, je pense, si je me trompe pas. Je sais pas si vous voyez bien les reflets, mais cette carte a un reflet vraiment génial. Rien à voir avec les reflets qu'il y a dans les ex actuels. Mais bon, tout évolue malheureusement. Mais est-ce dans le bon sens? La suivante, un Delgatty de Gardien Cristal, qui est aussi superbe. Nous avons un Explode, aussi de Gardien Cristal. Donc, désolé pour la différence de lumière, mais je suis pas dans l'endroit habituel. Et pour le moment, le voisin fait des travaux, donc ça fait un boucan de tous les diables. Ensuite, le Jirachi X de Gardien Cristal, qui est aussi magnifique. Le Kyogre X de Gardien de Cristal. En fait, toutes ces cartes sont neuves. Elles étaient juste dans une boîte. J'attendais que je les retrouve. Le Golem X de la série Dragon, qui a une couleur assez spéciale. Alors que dans le jeu, le Shiny est pas comme ça. Mais ici, c'est pas sa couleur habituelle. Mais bon, il est pas trop mal non plus. Le Tanmorph, ou Gros Tanmorph, je sais plus. Enfin, soit, c'est pas trop grave. Bon, ben, c'est pas une ex que j'apprécie particulièrement dans la série Dragon, mais bon, pour compléter, c'est toujours ça. Le Gardevoir ex, qui est assez sympa aussi. J'essaie de montrer, voilà, les différences de reflets entre le vert, le rouge. C'est assez sympa aussi. Un Monsieur Mime. Bon, ben, c'est aussi pour compléter la collection. Dans une série qui est, pour moi, la plus belle du bloc X, le rouge feu vert feuille. Mais cette carte, en fait, n'est pas si facile à trouver, même en US. Donc, je suis content de l'avoir quand même. Le Colomar de Phantom Alone, qui est pas mal non plus. Assez comique. Le Kaorin, qui n'est pas une ex que j'apprécie non plus, mais bon. Ça permet de compléter la collection. Elle a deux, trois petits reflets bien sympas, mais sans plus, quoi. Le Ptera, qui est aussi une couleur spéciale, un vert. Donc,
C'est dans Tempête de sable, je pense, si je me trompe pas. Liporois de la série Dragon. Je préfère la première que je vous ai montrée tout à l'heure. Celle-ci est pas trop mal, mais bon, pas celle que je préfère non plus dans la série Dragon. Le Caputops, ex. Je sais bien que petite dédicace à Grimalkin. Je sais bien que c'est un de ses Pokémon qu'il adore, donc voilà. Pas trop mal non plus, un regard assez inquisiteur. Et la dernière de cette ouverture, la voici. C'est pas non plus une carte que je préfère, mais bon, c'est toujours ça de prix. Alors dites-moi dans les commentaires ou en MP ou si ça vous intéresse ce genre d'ouverture, parce que étant donné que au-dessus du bloc X, tout ce qui est ultra, secrète, rare, holo, jusque XY2 compris, bah, j'ai tout, tout, tout. Donc si vous voulez, je vous montre soit toutes les ultras du bloc AGSS ou alors d'une série du bloc noir et blanc, mais dites-le-moi en MP, il n'y a pas de souci. Sur ce, ben, amusez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo.